Check, 1, 2. Bon? T'as pas nu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à De l'autre côté du miroir. Aujourd'hui, un invité de prestige, M. Guy Carbonneau. Bonsoir, Gardien. Très impressionné de vous recevoir, M. Carbonneau. On a appris que vous allez être prochainement canonisé au Temple de la Renommée. Oui. Quand on est canonisé au Temple, comment ça marche? Sais-tu, ils vous appellent, ils vous écrivent? comment on l'apprend? Téléphone. J'ai reçu un bel appel de Lanny McDonald et John Davidson pour m'annoncer justement que j'avais été canonisé. Ça, comment ça marche? Une fois que tu es rentré au Temple de la Renommée, ils vous laissent sortir la fin de semaine. Y a-t-il des visites? Bien, je pense que tu peux aller visiter ce qui va rester là-bas. OK. Heureusement pour moi, là, M. Carbonneau, il n'a pas besoin de rester là-bas. OK. Il va y aller juste une couple de jours, mais je peux avoir le droit de sortir tout de suite. Ouais. Mais c'est un joueur de poker, toi aussi. Quelques occasions, oui. Fait que t'aimes le risque. Bien, écoute, si tu ne joues pas au poker ou tu ne fais pas certaines choses dans la vie, si tu n'es pas capable de prendre des risques. Tu prends des risques, j'espère que tu es bien assuré. De tous les invités que j'ai reçus, tu es le seul qui peut me raconter de quoi ça a l'air une brosse de gagnant de coupe. Quelque chose qui est très, 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 très le fun, premièrement. C'est sûr, certain que ça commence vraiment le soir que tu gagnes la coupe. C'est un peu bête de commencer avant. Oui. C'est un peu cocky, mettons. Je me rappelle bien, en 86, après deux périodes, je pense qu'on venait, puis il avait commencé à amener le champagne dans la chambre, puis le score était rapproché. Ils ont fait sortir ça. Oui, ils ont fait sortir le champagne, mais finalement, on a gagné, puis c'est là que ça commence. C'est-à-dire le champagne, la bière, le petit voyage de retour, qui était très, très intéressant. J'aime comment tu dis, c'était très, très intéressant. Dans tous les qualificatifs que j'imagine, c'est pas très, très intéressant. Ça doit être très, très le fun, mais... C'est très, très, très le fun. OK. Tu as déjà joué au hockey dans la même équipe que celui qui a accompagné ta fille à son bal définissant. Ça, c'est pas arrivé souvent, ça. Tu as dû y expliquer deux, trois affaires rapidement. Très, très rapidement, oui. Parce qu'il était beaucoup plus gros que moi. Merci énormément d'être venu à De l'autre côté du miroir. Merci. Tu donnes beaucoup de crédibilité à ma nouvelle émission. Merci, Rogatien. Merci. 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 Attends un peu, moi, l'essayer.